D'accord. Et je refais trois petits pas pour être à hauteur de Bénédicte, ni vu ni connu. Tout le monde a confiance au paladin. C'est ça. Le leader du groupe. Pas dit que j'étais leader, hein. Mais si, si, si. J'ai juste nettoyé ce village et instauré l'ordre et la justice. Mon dieu. Pendant que les trois autres font leurs petites affaires. Hein. C'est ça. C'est ça. Alors, il vous amène effectivement tout au fond là, de ces champs et dans les bois un petit peu plus loin. On va dire entre le. Là où vous voyez où ça fait une espèce de tombe là. Je sais pas si vous voyez dans la forêt. Et ouais. Voilà. Pas trop loin de là, il y a effectivement un passage qui s'est caché derrière des buissons. Comme un tunnel quoi. On s'est pas renseigné sur le manoir en fait. Non, vous êtes pas renseigné sur le manoir ni sur le verger. Le verger, il y a des pommes. Oh, le verger, on s'en fout un peu, mais le manoir, non, c'est... Le verger, il y avait un ancien aventurier qui y habitait, voilà. Ah oui. C'est tout. Ah oui, c'est vrai. Le seul aventurier. Oui. Par contre, le manoir, c'est quand même une ville assez récente, ici. Je m'en souviens pas. Le manoir en ruine, c'est quand même curieux. Daran, le gardien du verger, ancien aventurier. Ah oui, j'avais noté ça. Daran, attends, c'est où, ça, dans mes vergers? Bon, vous ramenez le. De toute façon, vous n'allez pas directement. Vous voyez que le tunnel est assez long et sombre. Vous y allez pas à l'instant, hein. Vous ramenez le petit à la ferme. Mmh. Bah oui. En même temps, il connaît le chemin, hein. Il pourra... Oui, oui, bien sûr. J'espère qu'on pourra retrouver le fils du sculpteur. Le fils et la femme, ouais, c'est ça. De bah oui, et sa femme, ouais. Bendrar. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas les signalements. Ouais. J'ai ma caméra qui arrête pas de zoomer sur mon visage, qui dézoome, qui... Et qui zoome. Putain, mais elle va se calmer un peu. Travelling. Ouais, travelling avant. Ah mais c'est sympa pour les effets dramatiques. Pom pom pom. Tan 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 tan. Je suis avec ça, ça me saoule. Bon, bah, je sais pas ce que vous en pensez, on y va, non? Ah, bah, ouais, moi j'ai. C'est l'occasion de voir un peu le. Je pense que ça va mener à leur repère. Ah, j'ai tiré mon arbalète, j'ai encoché un carreau d'arbalète sur mon arbalète de poing. Tu tires et je tire sur le paladin depuis le temps que ça me démange. Stratégiquement, on y va direct sans attendre spécialement la tombée de la nuit, le lever du jour. De toute façon. On est d'accord. C'est des gens nocturnes, je pense qu'ils Allons-y. Doivent vivre la nuit. Oui. C'est bien ça comme phrase, hein. Ah, après, ouais, ouais. C'est un peu flou comme rendu, mais... Ouais, non, mais je joue bien mon personnage. Ouais. Et... Sinon, vous savez que leur quartier général, la journée en tout cas, c'est l'auberge qui est juste au-dessus. Voilà. Donc, vous allez où en premier, dites-moi. Voilà. Go direct le tunnel, a priori. D'accord. Ben vous rassemblez vos affaires et vous dirigez vers l'entrée du tunnel. Et effectivement... Je triture mon amulette de Timora. Nous souhaitons bonne chance, bonne fortune à tous. Oui. D'avoir choisi ces terres-là. Alors le tunnel remonte légèrement. Assez rapidement, vous êtes plongé dans le noir complet, quoi. Ah, on est tous nyctalope. Donc on sort de notre sac tout ce qu'il faut pour nous éclairer. Alors, moi j'ai des bougies. J'ai une lampe, moi. Je sors ma lampe. J'utilise
J'utilise ma boîte d'allume-feu que m'avait filé chez Tarn. Moi, je fais des traits de feu. Qui, moi, me sert, qui moi, me sert pas grand-chose. Regardez, on voit une ombre là. Pour les entrées discrètes, c'est parfait. C'est vraiment une blague. Un dernier détail, est-ce que vous avez parlé à Kenny de feuillage? J'ai pas demandé pour les. Est-ce que vous recherchez là depuis le début? Ou est-ce que vous en avez parlé ou pas du tout? Pardon, à qui? À l'Alflin, à Kenny de feuillage. On lui a même pas demandé le château. Ah, le château non, non, on lui a rien dit à part que. On lui a. Il a juste demandé à son fils, puis c'est tout. Ouais, ouais, c'est tout. Ouais. D'accord. Genre c'était la seule à qui on n'a pas demandé, c'est la seule qui savait. Ouais. C'est ballot quand même. Hein. Voilà. Très ballot. Alors, il faut que je vire du combat tracker, j'ai 300 PNJ là. Qui nous attendent dans le tunnel. Ils nous attendent dans le tunnel. Est-ce que Sildar vient avec nous ou est-ce qu'il... Non, non, Sildar ouais. il est pas là. Bah, s'il peut continuer à enquêter, à demander aux gens s'ils connaissent... C'est ça, l'endroit du château. Ouais, il continue à se renseigner pour son ami et puis il faut qu'il retrouve de l'équipement et il compte bien aller rendre demain une visite aux géants qui dorment au Cap Rouge pour les faire partir d'ici. Moi je trouve quand même que pour un petit village comme ça, il se passe beaucoup de choses quand même ici. Hein. Il y a surtout les Cap Rouge. Mais... À part ça, il y a des arcs autour. Sur tous les PNJ. Ça c'est World of Warcraft, tu sais, un point d'exclamation sur chacun. Ouh là, c'est étroit là. Je suis agile, mais on me plaque pas comme ça contre le mur, Bénédicte. Rien fait. J'ai du ventre, hein, oh là. Attends, je me pousse parce que. Allez, Altiris, vas-y. C'est quoi l'échelle? C'est petit. L'échelle, c'est l'échelle habituelle. Parce que est-ce qu'on passe ça de 1 de front ou pas? 1m50. Ouais, non, 1 de front, c'est 1m50, ouais. Bon bah j'ai passé devant, hein. Oui, j'ai mis vos tokens dans le désordre, hein, ou débrouillé. Voilà. Ouais, bah je me mets au milieu avec ma lampe, moi. La torche, elle éclaire à combien? Pas loin, je crois, 4 cases. Ou 6... Non, 6 cases. 6 cases, quand même. Non, 4 cases, 4 cases. 6 cases, ça fait trop. J'ai pas mon module, là, donc je sais pas, je pourrais pas te dire. Mais je 4, crois que c'est 4 cm. On va faire. Je sais pas si je peux le. Je reste complètement à l'arrière si tu veux, Altiris, comme je vois dans le noir. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'es vrai qu'Altiris, t'es un peu sombre. Moi j'espérais que quand je lançais un trait de feu, ça balaye tout le monde, tu vois, je suis déçu. Et quand ça, vous rentrez, vous atterrissez dans une énorme pièce. Un peu plus loin. Vous allez voir que je dis que c'est énorme, c'est que c'est énorme. Ah oui, effectivement. Et ils aiment bien les crevasses dans ce scénar, hein. Les crevasses, les ponts... Je crois qu'ils les ont rajoutés parce qu'ils ont comme ça. Ouais. J'essaye d'être attentif, d'écouter. Ensemble. Une brise glacée emplit cette large caverne naturelle, portant avec elle l'odeur évanescente de la chair en décomposition. Une crevasse divise la caverne qui est flanquée de deux colonnes de pierre supportant le plafond haut de 6 mètres. Deux petits ponts de bois enjambent le gouffre. Bénédicte, ça et alors là, sur ton passage, tu vois qu'il y a un passage ici sur ta gauche. Il y a de la lumière en haut là. Ouais. C'est plus éclairé. Il y a un passage ici aussi. Alors là. Effectivement. C'est comme ça. Il y a de la lumière en haut. On va effectivement écouter pour voir si on entend des gens. Je mets ma lampe au sol et puis j'essaye
de qu'elle diffuse le moins de lumière possible. Vu ta taille, ça change pas grand chose. Ah, alors moi j'ai une bonne méthode pour ça, tu l'éteins. Tout d'un coup, vous entendez quelque chose qui ressemble presque à une phrase. Et vous mettez un petit moment à comprendre que c'est dans votre tête que vous entendez cette phrase. Surtout Altiris. Ouais, vous entendez comme si vous parliez, mais dans une langue que vous comprenez pas trop. Et derrière, il y a comme un caquettement. Ah oui, je sais, c'est bizarre. Caquettement. Est-ce que tu peux nous faire c'est le caquettement? C'est Shaitan qui a vu un oiseau, ça. Comme les chats, ouais. Ouais, fais gaffe, tu vas te prendre un coup de patte. Ouais. Il y en a un qui va tomber dans le gouffre, mais rapidement. Oh. Oups. Non, le caquettement, c'est celui d'un oiseau, Franck. Non, pas vraiment, non. Je t'ai dit sur Bénédicte. Indéterminé. Vous connaissez pas du tout ce genre de. D'accord. De bruit. Et je vais y arriver. Faites-moi un test de perception. Pour cacher. Ouais, s'il vous plaît. Perception. Ah, j'ai perdu mon deuxième œil. Des trucs avec sixième sens, quoi. J'en saute qui vive, oui, je peux des. Oui. Ah. Il te semble avoir repéré chez Tarn quelque chose juste derrière le pilier de roche derrière lequel se tient Bénédicte. Alors je fais passer Altiris pour qu'il fasse un mouvement furtif, tu as perçu. Je vais passer Altiris pour qu'il fasse passer aux autres. Je suis derrière le rocher. Juste derrière le rocher. Comme je lui dis la même chose, Bénédicte, il y a quelqu'un derrière le rocher. Non, il y a devant, un gros derrière devant le rocher, il y a moi. Tu parles rocher? C'est nous derrière le rocher, non? Ouais. J'attends un peu pour voir si la personne qui est derrière le rocher. Donc j'ai mon arme bien sûr déguisée. J'attends de voir si elle nous attaque. Je suis prêt à attraper. Et tu vois que ça attaque pas. Mais maintenant qu'on t'a dit qu'il y avait quelque chose, tu vois un bref mouvement aussi. Comme c'est dirigé, mais ça c'est pas trop possible, vers la crevasse. C'est dirigé vers la crevasse? Ouais. Si vous entendez dans vos têtes, qu'est-ce que vous voulez? Ah, dans nos têtes, on entend ça? Ouais. Donnez-moi, mangez. Et je vous laisserai passer. Vous balancez quelqu'un dans ouais, je parle dans ma tête, mais vous êtes qui? Je vais voir s'il m'entend quand je parle dans ma tête. Tu vois qu'il n'y a pas de réponse. Ah voilà. Putain, le télépathe de débutant. Quoi. Donc je dis à haute voix, mais vous êtes qui? Tu parles à qui, Bénédicte? Ça répond pas. Ça répond pas. Ça répond pas plus. Bon, je m'approche de la crevasse et je fais un bond de l'autre côté. Ah. C'est ok? Tu sautes par-dessus? Ouais. Bah, fais-moi un test d'acrobatie, s'il te plaît. Des 25. Au revoir. C'est pas très très long. Il y a 1m50, bah, il peut faire un. Hein. Au revoir. Il se rattrape sur ses griffes. Oh.
Quel dommage. Quelque chose, hein. Alors là, par exemple, ce serait peut-être utile d'utiliser un point de... Ouais. Point de destin. Un point d'héroïsme, tu vois. Moi, je dis ça, j'ai rien. Bah, parce que, effectivement, il te semble avoir pris ton élan, mais que c'est un petit peu court, quoi. Un point d'héroïsme. C'est ballot, quand même. Tu lances un dé de 4 supplémentaire, ça te fait... Oh, la musique d'enfer. Oh, le bruitage. Ouais, c'est beau, ça. Ouais. Excellent. Et donc tu fais 6, donc tu sautes de l'autre côté sans problème. Et il a semblé à un moment donné que tu perdais l'équilibre, mais tu as réussi à te réceptionner de l'autre côté. Tu aperçois, en sautant, tu as pu apercevoir avec tes yeux de chat que la crevasse fait environ quand même 5-6 mètres de profondeur. Donc c'est pas non plus un gouffre énorme, mais... suffisamment de quoi se faire mal. Oh, tu serais retombé sur tes pattes. Et accroché au mur de la paroi, tu aperçois une créature pour le moins étrange. Une créature dont le dépourvue de griffes aux pieds comme aux mains. Une créature assez musclée, on va dire. Même ses jambes ressemblent plus à pas une grenouille, mais quelque chose comme ça. Par contre, son dos est hérissé complètement de pointes. Elle a une bouche qui semble presque humaine. Par contre, tout son... Là où serait son visage est pris par un énorme œil. D'accord. oui, tout ça fait un mélange assez étrange, je te l'accorde. Voilà la créature en question. Ah oui, ok, oui. Oui, bien sûr. Ah, forcément. C'était pourtant ça, la description. et donc, je dis, mais sans trop élever la voix, que la créature et que mes amis m'entendent, le cyclope hérisson, là, sort de là où on te... Je te vois. Vous entendez tous des caquettements dans votre tête. Et donc il apparaît. Enfin, il apparaît. Ah, il y a Thierry qui saute dans le... Ouais. Et vous voyez qu'il se dirige plus loin. Voilà. Et vous entendez manger. Bon, moi je sors de la boue de mon sac. Moi manger. Et bon, mangez-vous. Ouais, mangez-vous. Moi mangez-vous. Oui. Ah non, là je suis plus d'accord là. Bon, j'essaie de jeter un petit morceau de viande séchée. Tu vois qu'il approche. Et il vient manger. Est-ce que tu lui as... Tu lui as posé. Bah, je laisse le temps de manger. Mange. Attends. Et il tue. Lui. Vous, pas vous les moi. Moi, mangez-vous. Vous allez dans mon trésor. Moi, mangez-vous. Moi. Un trésor. Bon, ça suffit maintenant, tu nous laisses passer, hein. Oui, vous sentez... Laisse-nous passer. Surtout Altiris et Chetarn, qui était le plus près de la caverne, alors que tu as vu qu'elle faisait environ 5-6 mètres de profondeur, un froid quand même intense qui sort du fond de la crevasse, et ça ne semble pas normal. Ah. Le froid qui se dégage de la... c'est pas non plus... pas de quoi vous tuer ou vous blesser ou quoi que ce soit, hein. Mais le froid qui se dégage de cette crevasse qui ne fait que 5-6 mètres de profondeur est anormal. Voilà. Et c'est un froid, on sent un courant d'air ou c'est juste... Ouais. Non, une aura de froid. Une aura, ouais. Ouais. Okay. Et effectivement, ça sent la charogne aussi, hein, en plus, l'odeur. Ah, cool. Mais ça, c'est Bénédicte. Donc, recule un peu.
Moi, gardez ici, vous mangez. Moi, je m'approche à un pas comme ça, et d'une main j'ai la lampe, et de l'autre j'ai mon arbalète de poing qui est pointé dans cette direction. Ouais. Et dès que je vois qu'il bouge vers nous, je lui tire dessus. Et... pas de sommation. Un test d'initiative, s'il vous plaît. Ouais, j'en étais sûr. Pas la peine de pas l'inventer. Ah merde. Donc c'est Bénédicte déjà en premier. Ah non, Renato n'a pas fait. Encore, il y a le tir. Je cherche où est l'initiative. Oui, l'initiative dans ce c'est jeu. C'est dans ta barre de raccourci. Ah, tiens, d'ailleurs, c'est une bonne idée de le mettre dans la barre de raccourci. Merci Antoine. Pas de rien. Donc c'est Renato déjà en premier. Oui, c'est une bonne chose. Ça tombe bien, tu as gagné l'initiative. Bah ça tombe bien. Ça tombe bien, je tire dessus. Ouais. Je tire avec mon arbalète. Il a même pas attaqué. Ah bah moi je t'ai dit, je suis pas de sommation, je tire. Oh il a bougé chef. Ouais c'est ça. Oh putain bah. Moi. Oui, d'ailleurs, j'avais pas mis le. Comme un tracker. J'avais pas fait le. Ça. Voilà. Et c'est à Bénédicte donc d'agir. Est-ce qu'il s'apprête à nous attaquer ? Clairement, ses intentions sont de faire quelque chose contre vous, oui. D'accord, bon bah. Tant pis pour lui. Donc je m'approche et puis je donne un petit coup. Alors. Il arrête pas de dire qu'il veut nous manger, mais à part ça. Ouais, mais bon, c'est peut-être parce que je comprends pas ce qu'il veut dire. Le rocher là où était planqué Bénédicte derrière, il est assez haut. Oui, c'est un pilier, je disais. Ah, c'est un pilier, enfin, non, d'accord. C'est les deux piliers, celui-là et celui qui est plus au nord à droite. Là. Ok, d'accord. C'est les deux piliers qui. Voilà. Ok, ok. Les murs porteurs. Voilà. Ah, magnifique coup d'épée. Oula, mais il aurait perdu. Ah ouais, tu vois qu'il encaisse bien quand même. Hein. Si, il a perdu un peu. Tu entends des claquettements. Il est pas content du tout.